Quelqu'un veut venir nous parler. C'est Francesco Procopio Diecotelli. Hey, Don Don, comment ça va? Comment ça va, Francesco? Pourquoi est-ce que tu viens nous voir ce matin? Je viens te donner ta tonne faite. Tu viens me donner ma pomme faite? C'est ça, je viens te donner ta tonne faite. Une pomme faite? Je n'ai pas commandé de pomme faite. Tu peux la déposer là, ici, comme ça? Oui, super, ok. Je n'ai pas commandé de pomme faite. Oh, tu viens nous dire qu'il y a quelqu'un qui voudrait des souhaits de bonne fête. C'est bien ça. Il y a quelqu'un qui a commandé des souhaits de joyeux anniversaire. Des souhaits de joyeux anniversaire? Oui, oui, c'est Inti qui a commandé des souhaits d'anniversaire. C'est bien ça! C'est Inti qui a commandé des souhaits d'anniversaire. Ah oui, c'est ça. Don. Quoi? Qui a commandé des souhaits d'anniversaire? C'est Inti. Don. Quoi? Est-ce que ton gars s'appelle Monsieur Tilleret? Est-ce que mon gars s'appelle Monsieur Tilleret? Mais t'es dingue ou quoi? Il y a personne qui s'appelle Monsieur Tilleret. C'est parce que ça serait très très comique. Ça ferait Inti Tilleret. Oh, t'es terrible, mais je pense qu'il faut arrêter la conversation ici. Là, ça n'a pas de bon sens ce que tu racontes. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Quoi? Hey, Don Don, est-ce que tu aimerais un délicieux café? Oui, j'aimerais ça avoir un délicieux café. Oui, j'aimerais ça. Est-ce qu'on en a? Oh, non, il faut aller nous le préparer. Don, quel café? Don, quel café voudrais-tu? J'aimerais ça avoir aujourd'hui un affogato. T'es dingue, Don. Tu voulais une tonne et maintenant tu veux un affogato. Je ne veux pas un affogato, je veux un affogato. C'est un café dans lequel il y a de la boule de crème glacée dedans. Don, j'aurais une petite anecdote à te raconter. Tu aurais une petite anecdote à me raconter? D'accord, donc raconte-nous ton anecdote. Je suis l'inventeur de la crème glacée. Tu es l'inventeur de la crème glacée? Mais c'est fantastique! C'est une super idée, donc qu'est-ce que tu as fait pour inventer ta crème glacée? Quelle est la recette secrète que tu as inventée? Tu vas dans un congélateur et tu dis « je crie en anglais ». Tu vas dans un congélateur et tu dis « je crie en anglais ». Tu vas dans un congélateur et tu dis « je crie en anglais ». Qu'est-ce que ça donne? Ice cream! Oh! Ice cream! Mais oui, c'est une très bonne idée! Effectivement, bonne idée, ice cream! Oui, c'est comme ça qu'on invente la crème glacée. Oui, pas le contraire! Francesco, est-ce que tu sais que Inti est un violoniste dans l'orchestre symphonique? Un violoniste dans un orchestre symphonique? Oui, un violoniste. Et Don... Quoi? Est-ce qu'il fait des choses comme ça toute la journée? Oui. Il doit être excellent pour démarrer une tondeuse. Oui, il doit être excellent pour démarrer une tondeuse. On dirait qu'il s'enlève des télicules de sur les estons. Oui, c'est vrai. Bon, ok, là, ça va faire, là, les insultes, là. Bon, alors, ce serait l'heure, Francesco, de souhaiter joyeux anniversaire. Alors, on se passe comme ça devant la caméra et on souhaite joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Inti! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Merci beaucoup. Non contre Leano! Non contre Leano! Joyeux anniversaire! Non contre Leano! Allez! Il est très joli ton café, regarde, oui, il y a une petite porte, c'est très très joli. Félicitations, c'est un très beau café. C'est le café des artistes. Oui, c'est le café des artistes, effectivement. Alors, est-ce qu'on va prendre un café tous les deux? Oh, d'accord. Oh, allons prendre un café tous les deux. On y va. À plus tard. Ciao.